Raja, Monsieur Jean-Louis Bauchet, Madame Joëlle Bravetti, arrive, va arriver, Monsieur Jean-Louis Zambernardi, Maître Juliana Chichmanian, Monsieur Robert Bojanovic, Madame Monica Logier, Monsieur Charles Rigucci, Monsieur Richard Comte, Madame Gisèle Amedeo, Madame Claudine Kokloff, Madame Nicole Piefort, Monsieur Joseph Cosentino, Madame Patricia Degus, donne procuration à Madame Monica Logier, Madame Patricia Bonifaci, va arriver, Monsieur Robert Capelier, Madame Sonia Porte, Monsieur Marco Fugaro, Madame Anne Reynaud, Monsieur Régis Belli, Monsieur Johan Guigo me donne procuration, Madame Eva Scolari, Monsieur Steve Betty, Madame Caroline Beuil, Madame Florence Bastiani donne procuration à Madame Caroline Beuil, Monsieur Xavier Lagache et Madame Gisèle Marchessoux. Le quorum étant atteint, merci Madame Marchessoux. Le quorum étant atteint, nous pouvons démarrer l'ordre du jour. La secrétaire de séance sera Madame Eva Scolari, la plus jeune d'entre nous. Et je vais vous demander, mes chers collègues, d'approuver le PV de la précédente réunion du Conseil municipal qui a eu lieu le 15 janvier 2021. Est-ce qu'il y a des remarques à propos de ce procès-verbal ? Pas de remarques. S'il n'y a pas de remarques, nous allons pouvoir démarrer l'ordre du jour en commençant par le point numéro 1. Il s'agit de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les cadres d'emploi d'ingénieurs techniciens de la filière technique, indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, IFSE, et complément indemnitaire annuel, CIA. Maître André Bézina, vous avez la parole. Bonjour à tous. Suite à la parution des arrêtés d'application du décret numéro 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des cadres d'emploi, des ingénieurs et des techniciens, je propose de bien vouloir délibérer sur la mise en place du RIFSEP pour les agents de ces cadres d'emploi. Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments. L'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, dite l'IFSE, liée aux fonctions exercées par l'agent et son expérience professionnelle, et le complément indemnitaire annuel tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir. Une part fixe représentant 50% du montant total qui suivra le sort réservé au traitement de base mensuelle, c'est comme ça que l'IFSE sera réparti, et une part variable représentant 50% du montant total qui sera proratisé en cas d'absence de l'agent. Le comité technique a émis un avis favorable le 12 février 2021. Le projet de délibération était joint à l'ordre du jour. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, merci. Merci, Maître Bézina. Nous passons donc au point numéro 2. Il s'agit du bilan des cessions et acquisitions 2020 par EPF PACA. Merci, Monsieur le maire. Alors, ceci concerne un point particulier dans le cas présent. Chaque année, il peut y avoir un bilan plus exhaustif de beaucoup d'autres choses. Mais là, ça correspond à cette nouvelle promotion envisagée dans la ville de la construction d'un immeuble, et on va en parler. La commune a engagé un partenariat avec l'établissement public foncé PACA, EPF PACA, afin de permettre la réalisation d'un projet de réalisation de logements sociaux au travers d'une convention d'intervention foncière. Le Code général des collectivités territoriales prévoit que les communes ont l'obligation de délibérer sur la gestion de leurs biens et des opérations immobilières effectuées. L'article L2241, trait d'union 1, alinéa 2, étend cette exigence au bilan des acquisitions et cessions
opérés sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune. Ce bilan annuel est annexé au compte administratif de la commune. Je vous demande d'adopter le tableau récapitulatif qui était joint en annexe de l'ordre du jour et relatif à l'acquisition, par l'EPF PACA par voie de préemption des biens immobiliers situés au 3 avenue Albert Ier. Y a-t-il des questions ? Oui, il y a une question. Monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, mes chers collègues du conseil municipal, cette question des logements sociaux à Villefranche est une question, vous le savez, très, très attendue par un certain nombre de nos concitoyens qui ont fait des dossiers depuis bien longtemps et qui attendent, espèrent en tous les cas, un logement social. Cette décision, donc, elle est en lien avec une décision qui est celle de la préfecture. Et le permis de construire sera délivré par vous, monsieur le maire, mais évidemment, il y a un lien avec la commission préfectorale. Et j'en viens tout de suite à ma question. Combien y aura-t-il exactement de logements ? Quelle sera la répartition entre les dossiers sociaux et très sociaux, si j'ose dire, parce que c'est quelque chose qui nous est régulièrement, sur lesquels nous sommes régulièrement interrogés, et je profite de ce moment parce que plus tard, cette question, elle échappera au fond au conseil municipal. Donc, quelle sera la part dans les logements sociaux réalisés au début de l'avenue Albert Ier, quelle sera la répartition entre les dossiers sociaux et très sociaux, et quel serait le quota de logements attribués à des actifs ou à des retraités villefranchois, et y a-t-il ne serait-ce qu'un quota ? Oui, excusez-moi, juste une question en retour. Qu'est-ce que vous entendez par sociaux et très sociaux ? Il y a deux types de logements sociaux. Il y a le logement social des actifs. Ça peut être, par exemple, les employés communaux. C'est un dossier social. Et quand je dis un dossier très social, ce sont des familles, souvent des familles nombreuses, voire très nombreuses, en grande difficulté, et bien souvent extérieure à la commune. Donc c'est au fond la grande inquiétude des riverains qui nous interrogent régulièrement sur ce point. Vous voulez dire que les riverains sont inquiets par l'arrivée de gens extérieurs à la commune, c'est bien ça ? Oui. Je croyais que les riverains étaient intéressés par le fait d'avoir des logements sociaux dans la commune. Non, ils sont inquiets. Ils sont inquiets, d'accord. Je ne saisissais pas exactement la question. Donc je vous remercie de cette précision. Je m'excuse de vous le dire, mais les logements sociaux, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Les logements sociaux, c'est des individus ou des familles qui, par leurs revenus, ne peuvent pas accéder à la propriété et donc vont bénéficier d'aides qui vont leur permettre d'acquérir un logement locatif social ou alors un logement en accession à la propriété. Chaque commune est dans l'obligation, à partir du moment où elle a plus de 3500 habitants, d'avoir un certain taux de logements sociaux. Et donc, dans ces logements sociaux, il n'y a pas de quota. Ça n'existe pas, les quotas. Alors, il y a des logements qui peuvent être réservés, c'est-à-dire que la commune va avoir un droit de regard pour attribuer ces logements sociaux. La préfecture va avoir un droit de regard pour attribuer un certain nombre de logements sociaux, mais surtout, il va y avoir une discussion entre les services de la commune et les services de la préfecture pour attribuer les logements en fonction d'un certain nombre de critères. Et donc, la commune va effectivement défendre un certain nombre de dossiers, en réalité, le plus de dossiers possible pour faire bénéficier plutôt aux gens qui habitent à Villefranche, par exemple des jeunes, et par exemple des jeunes en difficulté, ou aussi des couples qui démarrent leur vie professionnelle pour qu'ils aient accès à ces logements. Il va y avoir très exactement 22 logements
logements qui seront tous des LLS, c'est-à-dire des logements locatifs sociaux. Il n'y aura pas de logements en accession à la propriété, a priori, dans ce nouveau bâtiment. Il y aura 35 places de parking qui vont être construites en sous-sol. Il y aura aussi un local commercial. Vous connaissez cet endroit, hein, c'est là où il y a l'agence immobilière Capital Immo, avec le crocodile rouge là qui est devant. Donc Capital Immo va être délocalisé dans les locaux de la BNP juste à côté, et puis après va être relocalisé au même endroit. Et a priori, nous partons sur un bail emphytéotique de 99 ans, c'est-à-dire que la commune va rester propriétaire. Le bailleur social va être choisi par EPF PACA et par la ville de Villefranche. Il n'y a pas lieu dans ce type d'opération de mettre en concurrence les bailleurs sociaux. Donc on va choisir le bailleur social qui nous semblera le plus efficace. L'acte de vente a été signé le 7 août 2020. La propriétaire de cet endroit s'appelait Madame Audibert. Elle a mis en vente à hauteur de 1,3 million d'euros. Et EPF PACA l'a dédommagé à hauteur de 1,3 million d'euros. Donc cette personne n'a rien perdu sur son bien. Et je peux vous annoncer qu'il y aura probablement un permis de construire aux alentours du mois de septembre 2021. Quant au type de logement, vous savez que dans les logements locatifs sociaux, il y a trois types de logements en fonction du niveau de revenu. Il y a les PLS, les PLUS et les PLAI. Et donc je pensais que c'était de ça dont vous me parliez, sur les logements très sociaux. Les PLAI, c'est les logements qui ont le loyer le plus faible et qui permettent donc aux gens qui ont les plus bas revenus d'accéder à un logement locatif social, ce qui peut être intéressant pour tout le monde, hein, pour tout le monde, pas que à des populations qui pourraient faire peur aux gens. Sylvie, est-ce que vous voulez me dire combien il y a de PLS, PLUS et PLAI prévus dans les 22 logements? Ou est-ce que ça n'est pas encore exactement défini? Donc voilà, c'est pas encore exactement défini. Mais un exemple, à Rochambeau, vous avez des PLS, uniquement des PLS. Et donc, à un moment donné, il va falloir, à Villefranche, faire aussi des PLUS et des PLAI pour donner accès à ce type de logement à toute la population. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui à ce stade de la compétition. Si je n'ai pas donné la précision de PLAI, c'était à dessein d'être bien entendu, quand je parle d'un dossier très social, c'est effectivement de type PLAI, et c'est cela qui inquiète considérablement les riverains. Donc nous verrons bien, pour ce qui est de cette délibération, nous sommes favorables sur le fond à des logements sociaux, sous réserve que ce soit d'abord pour des villes franchoises. Et c'est pourquoi nous nous abstiendrons. Excusez-moi, si je peux me permettre de faire... Attends, si je peux me permettre de faire préciser, a priori, vous êtes plutôt défavorable aux logements sociaux, c'est ça? D'accord. D'accord, non, d'accord. Non, j'ai dit exactement le contraire. Non, nous sommes favorables aux logements sociaux, pour autant que ces logements sociaux construits à Villefranche profitent d'abord et avant tout aux Villefranchois. D'accord, donc vous êtes favorable, mais vous vous abstenez sur cette délibération, c'est bien ça? Très bien. André. Je me permets d'intervenir. Je comprends pas bien. Il y a un truc que je comprends pas bien parce que c'est pas ça le sens de la délibération. Moi, je dois vous faire voter d'adopter un tableau récapitulatif que vous avez, qui a été joint en annexe à l'ordre du jour et qui est relatif à l'acquisition par EPF PACA par voie de préemption des biens immobiliers situés au 3 avenue Albert Ier. Ça voudrait dire donc que vous ne votez pas le fait qu'on acquiert par voie de préemption. Je comprends pas. Dépendra des personnes que la commission préfectorale, en lien avec vous, y seront placées. Si non, mais on faut achète, acquérir d'abord. Faut si acquérir on achète, d'abord. Oui, mais si on acquiert pour d'accord. y placer en majorité des villes franchoises, nous sommes pour. Mais si au final, c'est la commission préfectorale qui affecte des PLAI, donc des dossiers, pardonnez-moi d'être caricatural, mais au moins les gens comprennent, des dossiers très sociaux. Ce qui inquiète les riverains, cette acquisition n'est pas une bonne chose. Bon. D'accord, ben là, je... Non, c'est très bien, je crois qu'on a bien compris. D'accord. Tout le monde a bien compris. Ok, très bien. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Merci. Je profite de cette délibération pour vous dire que, peut-être vous l'avez déjà vu, il va y avoir une vente aux enchères à Villefranche le 9 avril prochain concernant un restaurant, le rez-de-chaussée d'un immeuble où était localisé un restaurant qui s'appelle Côté Jardin. La commune va probablement souhaiter acquérir ce bien. Vous savez qu'il y a une place à cet endroit-là, qui est une place magnifique, qui est la place de la République, qui était occupée jusqu'à présent par une terrasse. Nous souhaitons redonner la terrasse au domaine public et nous souhaitons également y installer une boulangerie. Vous savez que, après quelques péripéties, la boulangerie de la rue du Poilu a fermé, ce qui, un an après les élections, ne nous a guère étonnés. Et donc on va essayer d'y installer une boulangerie. Je vous tiendrai au courant et il y aura probablement une délibération au prochain conseil municipal à ce sujet. Je pense que l'acquisition de ce bien et l'installation d'une boulangerie, ça correspond bien à une certaine idée de l'intérêt général des Villefranchois. Et il est bien évident que nous défendrons tous les dossiers des Villefranchois concernant les logements locatifs sociaux. Le point numéro 3, il s'agit de la gratuité du stationnement sur voirie, du stationnement horodaté. Et c'est M. Jean-Louis Bauchet qui va présenter ce point. Merci M. le maire, mes chers collègues. Par délibération du conseil municipal du 24 juin 2020, le conseil municipal avait décidé d'appliquer une gratuité des stationnements horodatés et des parcs barrières Wilson et Marinière. Dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et des mesures complémentaires prises par arrêtés préfectoraux des 22 et 23 février 2021 pour lutter contre la propagation de la Covid-19 dans le département des Alpes-Maritimes, je vous propose d'accompagner les résidents et professionnels villefranchois en prévoyant la gratuité du stationnement sur voirie pour la période du 1er janvier au 15 avril 2021. Y a-t-il des questions ? Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Merci. Merci beaucoup. Le point numéro 4, il s'agit d'un séjour en classe verte à Val-de-Blore du 7 au 11 juin par Madame Bravetti. Bonsoir à tous, Monsieur le maire. Je m'excuse pour mon retard, panne de voiture. Non, elle n'est pas très bien carrée, à Villefranche. Chers collègues, la directrice de l'école maternelle Les Magnolias a sollicité la commune pour le financement du séjour de 23 enfants de classe maternelle, grande section, classe de Madame Blingineau, en classe verte, au centre de montagne, chalet de Val-de-Blore, à Val-de-Blore, du lundi 7 juin au vendredi 11 juin, si la situation sanitaire le permet, bien sûr. Le prix du séjour s'élève à 185 euros par élève. Le montant de la participation serait de 8,50 euros par jour et par enfant, soit 42,50 euros par enfant pour la semaine, un total de 977,50 euros. Je vous propose de décider la prise en charge de cette dépense, à laquelle s'ajouteront les frais de transport en autocar, environ 1 000 euros, pris en charge également par la commune. Le montant sera inscrit en section de fonctionnement, dépenses au compte 65-58-211, chapitre 65 du budget 2021. Je pense qu'on peut passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Joël. Nous allons maintenant passer aux délibérations concernant le budget, avec tout d'abord l'approbation du compte de gestion 2020 au budget principal. Maître Chichemagnan, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Le compte de gestion du comptable public retrace au jour le jour les encaissements et paiements effectués au cours de l'exercice antérieur. Il a été vérifié. Que le trésorier est repris dans ses écritures. Le montant de chacun des soldes figurera au compte de l'année 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été demandées
Je vous demande de bien vouloir statuer sur l'ensemble des opérations effectuées pendant l'année 2020 ainsi que sur l'exécution du budget de l'année 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur la comptabilité des valeurs qui étaient jointes en annexe 3 de l'ordre du jour. Y a-t-il des questions ? Nous passons au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci beaucoup. Point numéro 6, c'est le compte de gestion pour les budgets annexes des parcs de stationnement. Maître Chichemagnan. Merci, monsieur le maire. Le texte est identique. Le compte de gestion du comptable public retrace au jour le jour les encaissements et paiements effectués au cours de l'année 2020. Nous avons vérifié que les écritures, le montant de chacun des soldes figure sur l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis, celui de tous les mandats de paiement ordonnancé et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites. Je vous demande donc de bien vouloir statuer sur l'ensemble des opérations de l'année 2020 ainsi que sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur la comptabilité des valeurs qui étaient jointes. C'est l'annexe 4 de l'ordre du jour. Y a-t-il des questions ? Nous passons au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci beaucoup. Pour les points numéro 7 et numéro 8 qui concernent l'approbation des comptes administratifs 2020 au budget principal et au budget annexe, je cède la présidence de la séance à maître André Bézina. Je m'absente et je reviens bientôt. Madame maître Chichemagnan, est-ce que vous êtes prête pour l'approbation du compte administratif ? Oui, je suis prête. Oui, mon cher comptable. Le compte administratif relate les dépenses et les recettes de l'exercice écoulé. C'est le bilan financier de l'année précédente. Ce compte administratif permet de constater que les opérations prévues au budget primitif, au budget supplémentaire et aux différentes décisions modificatives ont été engagées dans le respect des enveloppes budgétaires qui leur ont été attribuées. Le résultat de clôture de l'exercice 2020 du budget principal se résume ainsi. En section de fonctionnement, nous sommes excédentaires de 2 783 962,09 €. En section d'investissement, nous sommes déficitaires, comme il en est malheureusement l'usage, de 813 602,93 €. Résultat auquel il convient d'ajouter en section d'investissement les restes à réaliser. En dépenses, la somme de 882 995,53 et en recettes, 927 812,13. Corrigé de ces montants, le résultat définitif de l'exercice est le suivant. En section de fonctionnement, un solde excédentaire, comme je l'ai déjà indiqué avant, de 2 783 962,09 et en section d'investissement, un solde déficitaire de 768 786,13. Si bien que le résultat de l'année écoulée est excédentaire global de 2 015 175,96 euros. Ce n'est pas la première année que nous sommes excédentaires, mais nous commençons à prendre de bonnes habitudes. En section de fonctionnement, les dépenses sont les suivantes. Les prévisions votées pour les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 10 447 437,19 euros. Le montant des réalisations constatées s'établit à 9 644 026 euros. Ainsi, les dépenses à caractère général concernent les fournitures, les frais de télécommunication, l'énergie, l'eau, les assurances, etc., ont été réalisées pour 1 615 314,65. Les charges de personnel présentent un solde disponible de 257 904,43, soit 5 908 117,57 qui ont été réalisés contre 6 166 022 prévus, donc nos dépenses ont été inférieures. Les charges de gestion courante qui couvrent principalement
les participations obligatoires aux organismes publics, aux établissements de coopération intercommunale, les subventions, notamment CCAS, sont proches des prévisions initiales et sont de 1 364 740,63. Les charges financières s'élèvent à 266 203,17. Les charges exceptionnelles s'élèvent à 7 975 euros contre 10 000 prévus, essentiellement les annulations de titres sur l'exercice antérieur. Pour ce qui concerne les recettes réelles de fonctionnement concernent principalement la gestion des services communaux et s'élèvent à 11 140 605,46 pour 10 531 991 prévus, parmi lesquels le remboursement des frais de personnel mis à disposition, le produit de la fiscalité qui s'élève à 6 700 629 euros, le produit de la taxe des passagers qui est réduit à portion congrue avec 8 400 euros, on en parlera tout à l'heure, la taxe additionnelle aux droits de mutation, 1 823 908,78, la perte de 42 721 euros sur la dotation de l'État, qui ne cesse d'ailleurs de baisser depuis des années et depuis toujours, c'est-à-dire que nous avons cette année 321 125 euros. Elle était de 1 045 111 en 2014. Les participations des divers organismes représentent 247 587,44. Le revenu des IBEUL s'élève à la somme de 402 098,73. En section d'investissement, les dépenses réelles d'investissement constatées au cours de l'exercice 2020 s'élèvent à 1 986 062,27, parmi lesquelles on relève les immobilisations incorporelles pour 219 472,91 qui concernent les frais d'études, dont restructuration du gymnase, la création de SMEL, ainsi que les logiciels informatiques, les subventions d'équipement versées pour 17 102,85, les immobilisations corporelles pour 177 811,34, dont les véhicules pour services, le matériel informatique, d'autres immobilisations corporelles. Les immobilisations en cours sont les travaux pour 715 312,55, dont la restauration de la citadelle tranche ferme pour 613 949,55. Et les avances versées pour 101 363 euros concernant la réhabilitation du lavoir. Le remboursement de la dette en capital, ça c'est un point important, le remboursement de la dette en capital de 856 362,62. Pour ce qui concerne les recettes réelles de la section d'investissement ont été constaté à hauteur de 1 456 769,25, dont principalement j'ai doté les subventions d'investissement reçues pour la rénovation technique du groupe scolaire Calderoni et la restauration de la citadelle. Je vous demande donc de bien vouloir vous prononcer sur ce compte administratif qui figure en détail à l'annexe 5. Vous souhaitez poser des questions, Monsieur Betty? Il s'agit, Madame l'adjointe, mes chers collègues, il ne s'agit pas véritablement d'une question, mais plus exactement d'une explication de vote. Nous ne vous suivrons pas pour approuver cette délibération, car un point nous chagrine. Dans les comptes de gestion de 2020, les investissements prévus précédemment étaient pas très élevés, si on compare à des communes de taille et de population similaire, et seule une minorité de ces investissements ont été réalisés, environ 35%. Cette absence ou ce manque de réalisation peut être imputé à la période de crise sanitaire que nous traversons. Néanmoins, et j'ai comparé avec les investissements réalisés des communes environnantes, limitrophes, ils sont à des taux de réalisation qui vont de 70 à 85%. C'est dire que, eh bien, notre commune n'a pas réalisé ce qu'elle souhaitait faire. Nous le regrettons. C'est pourquoi nous ne vous suivrons pas dans l'approbation.
Eh bien, je me doutais que vous ne pourriez pas nous suivre. Je ne sais pas quelles sont vos références, vous ne les avez pas données sur les communes avoisinantes, mais vous savez bien que les investissements ont été en grande partie bloqués, pas seulement à Villefranche, mais ailleurs et partout, car quasiment il y a un an, le Covid a démarré et a paralysé la France, et en tout cas, Villefranche, en tout cas pour partie. Voilà. Alors nous allons passer au vote. Qui vote contre ? Vous votez contre. Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Nous passons maintenant à la délibération numéro 8. C'est l'approbation du compte administratif 2020 budget annexe parc de stationnement Wilson, Marinière et Barmassa. Maître Chichmanian. Merci. Le compte administratif relate les dépenses et les recettes de l'exercice écoulé. C'est le bilan financier de l'année précédente. Il permet de constater que les opérations prévues au budget primitif, au budget supplémentaire, aux différentes décisions modificatives ont été engagées dans le respect des enveloppes budgétaires qui leur ont été attribuées. Le résultat de clôture de l'exercice 2020 du budget annexe des parkings est en section d'exploitation un solde excédentaire de 798 724,63 euros et en section d'investissement un solde déficitaire de 112 837,61 euros. Résultat auquel il convient d'ajouter en section d'investissement les restes à réaliser pour 60 881,81. Corrigé de ces résultats, de ces montants, le résultat définitif de clôture est donc pour la section de fonctionnement un solde excédentaire de 798 724,63. En section d'investissement, un solde déficitaire de 173 719,42. Et donc, au total, un solde excédentaire de 625 055,26. Je fais donc à ce stade observer que notre compte administratif de la mairie était excédentaire et de beaucoup, puisqu'elle excédait 2 millions d'euros, et qu'il est ici ajouté 625 055 d'excédent sur les parkings. En section d'exploitation, les dépenses réelles du budget annexe des parkings ont été réalisées pour 782 678,98, 197 660,70 de frais d'administration générale, 577 705,79 de frais de personnel, 843,12 d'intérêt des emprunts. Les recettes réelles d'exploitation ont été réalisées pour un montant de 733 921,38. La totalité de ces recettes proviennent des recettes des entrées et abonnements des parcs de stationnement à barrière. En section d'investissement, les dépenses réelles d'investissement de l'exercice s'élève à 183 232,12, dont le remboursement en capital de la nuitée d'emprunt, c'est-à-dire 86 085,62, 1113,32 d'immobilisation incorporelle, ainsi que les immobilisations, ainsi que les immobilisations corporelles qui concernent l'acquisition de deux caisses automatiques, ainsi que le nouveau mobilier et matériel du bureau des parkings pour 81 955,49. 14 077,69 d'immobilisation en cours qui concerne la fin de la rénovation totale des locaux des parkings. Le montant des recettes réelles d'investissement de l'exercice s'élève pour la quasi-totalité à la somme de 272 761,61 correspondant à l'affectation de résultats 2019. Il s'agit donc de l'annexe 8 et je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le compte administratif du budget annexe des parkings de Villefranche-sur-Mer. Y a-t-il des questions ? Nous passons au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Je vais revenir, monsieur le maire.
Donc le compte administratif a été adopté à la majorité. Excellent. Merci de votre confiance. Nous allons donc passer au point suivant. Il s'agit du budget principal, point numéro 9, affectation des résultats 2020. Maître Chichemanian, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Après avoir, ce sont deux délibérations techniques qui suivent. Après avoir adopté le compte administratif 2020, notre conseil municipal doit procéder à l'affectation des résultats conformément aux dispositions de l'instruction M14. Le compte administratif présente le résultat de clôture suivant. Un excédent de fonctionnement de 2 783 962,09 et un déficit d'investissement de 813 602,93. Je vous propose donc d'affecter le résultat comme suit et de reporter les crédits au budget primitif 2021. Le résultat de fonctionnement est un excédent de 2 783 962,09. Le solde d'exécution d'investissement tient compte donc d'un déficit d'1 262 873,25 €, donc avec un financement nécessaire de 813 602,93. L'excédent de financement que sont les restes à réaliser, c'est 44 816,80, ce qui réduit donc le financement et qui donne la somme de 768 786,13. L'excédent de financement total est donc de 2 783 962. L'affectation sur 2021, affectation en réserve, donc en recette, 768 786,13. Le résultat de fonctionnement reporté, 2 015 175,96 €. Et le solde d'exécution de la section d'investissement reporté, 813 602,93 €. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Bien, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à l'affectation des résultats sur les parcs de stationnement en budget annexe. Après avoir adopté le compte administratif 2020, nous devons donc affecter le résultat comptable. Le compte administratif présente le résultat de clôture suivant, un excédent de fonctionnement de 798 734,68 € et un déficit d'investissement 112 837,61. Je vous propose d'affecter le résultat comme suit et de reporter les crédits au budget primitif 2021. Le résultat de fonctionnement est un excédent de 798 734,68 €. Le solde d'exécution d'investissement, besoin de financement total, 173 719,42. Donc l'excédent de financement total est 798 734,68. Je vous propose d'affecter sur 2021. Affectation en réserve, 173 719,42. Résultat de fonctionnement reporté, 625 015,26 €. Et le solde de l'exécution de la section d'investissement reporté à 112 837,61. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Bien, merci beaucoup, Maître Chichemanian. Je me réjouis que notre excédent total soit de 2,6 millions d'euros au terme de cette année 2020, malgré une perte de recettes très importante. Nous pouvons passer au point suivant. Il s'agit de la délibération numéro 11, le débat d'orientation budgétaire 2021. Nous aurons donc le vote du budget à la prochaine séance du Conseil municipal dans deux semaines, le 29 mars. Aujourd'hui, il s'agit du débat d'orientation budgétaire pour l'année qui a d'ailleurs déjà démarré. Maître Chichemanian, vous avez de nouveau la parole. Merci, Monsieur le maire. Le débat d'orientation budgétaire est une étape obligatoire et essentielle de la procédure budgétaire. Et pour les communes de plus de 3500 habitants, le maire présente au conseil municipal ce rapport et les engagements pluriannuels envisagés
ainsi que la structure et la gestion de la dette. Ce rapport doit être produit et débattu au cours d'une séance du Conseil municipal. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce débat participe à l'information des élus et de la population et répond aux obligations de transparence renforcées par la loi NOTRe. Ce rapport sera mis à disposition du public en mairie dans les 15 jours, suivant le conseil municipal, et dans un mois sur le site Internet, et il sera également transmis à la métropole. Ce débat d'orientation budgétaire se développe en trois parties. La première est une vue d'ensemble de l'exercice 2020 au niveau de la gestion communale. Les grandes lignes de l'exercice budgétaire 2020, en fait, c'est une sorte de redite un peu plus appliquée du compte administratif. En section de fonctionnement, les dépenses réellement datées s'élèvent à 9,6 millions d'euros, auxquelles il faut ajouter les dépenses d'ordre. Les principales dépenses se répartissent de la façon suivante, et vous y verrez, je me permets de le faire remarquer, parce que ce n'est pas tous les jours comme cela, que nous avons à peu près à tous les niveaux, si ce n'est tout le temps, baissé les dépenses de fonctionnement. C'est ainsi que les charges d'administration générale s'élève à 1 796 797, soit une baisse de 12,9% en deux ans, de 2018-2019. Les dépenses de personnel s'élèvent à 5 908 000 euros, une baisse de 1,6% sur un an. Sur la période 2016 à 2020, je fais remarquer que les dépenses de personnel avaient baissé de 5,5%. Les dépenses réelles globales de fonctionnement s'élèvent à 9 847 362 euros, soit encore une baisse de 6,4%. Les autres charges de gestion courante ont également baissé de 3,4%. Ce sont notamment les subventions CCAS et toute autre subvention telle qu'indiquée dans le rapport. Les intérêts de la dette ont également baissé de 34 280,65 en 2020. Les charges exceptionnelles ont également baissé de 239 683,99 pour l'année 2020. J'ai fait remarquer que c'était une baisse tout à fait généralisée d'à peu près tous les postes, parce qu'il n'est pas d'usage, et vous le verrez ultérieurement, d'avoir des baisses à tous les niveaux. Les recettes réelles s'élèvent à 11,32 millions d'euros. Les principales recettes se répartissent de la façon suivante. Les impôts et taxes à 8,96 millions d'euros en 2020, en baisse par rapport à 2018 et 2019. La fiscalité directe, avec la hausse de taux de 2020, augmente légèrement avec 6 700 629 euros. Les droits de mutation légèrement baissés. Les dotations et participations s'élèvent à 753 270 euros contre 836 894 en 2019. Malheureusement, ici, vous voyez encore que la plus grande partie de nos recettes baisse. Les recettes de produits de services s'élèvent à 800 536 euros contre 1 064 700, soit une baisse de 264 164 due au Covid-19 et aux exonérations de redevances d'occupation du domaine public décidées par notre conseil municipal en 2020 en raison de la crise sanitaire. Les autres produits de gestion courante baissent également. Elles s'élèvent à 402 098 en 2020 contre 440 982 l'année précédente. En section d'investissement, les dépenses réellement datées s'élèvent à 1 098 000 euros en 2020. Les principales dépenses se répartissent de la façon suivante. 1 129 699 euros, c'est-à-dire en
très nette hausse par rapport à l'année précédente, où cette dépense était de 726 906, et cela concerne la restauration de la citadelle, la réhabilitation du gymnase des Glacis. Les frais d'études sont en nette augmentation également, notamment pour le gymnase des Glacis. Les immobilisations corporelles s'élèvent à 177 811 en 2020 contre 261 676 en 2019. Cette situation s'explique par les efforts des services pour maintenir les dépenses. Les travaux en cours d'un montant de 715 312 euros en 2020 étaient en 2019 de 269 358, 250 869 en 2018. Vous voyez que nous prenons soin de restaurer les biens communaux et d'améliorer la conservation de notre patrimoine. Le remboursement du capital de la dette représente 856 362 euros en 2020. Depuis 2016, la commune n'a pas fait appel à l'emprunt pour financer les investissements du budget principal. Le capital restant dû des emprunts au 31 décembre 2020 est redescendu à 6 982 340,27. Je crois que le plus important de la démonstration vient maintenant, le résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2020 est de 2 783 962,09, alors qu'il n'était que de 1 886 208 l'année précédente. L'épargne brute, soit 2 783 862,09, permet de financer le remboursement du capital des emprunts pour 2021, 845 103,76, et de dégager un autofinancement d'1 938 758. À ce stade, je souhaiterais quand même perdre un instant pour faire remarquer les progrès que nous avons réalisés sur l'épargne que nous faisons et sur le remboursement et l'encours de la dette. Le petit tableau qui figure à cette page est très suggestif, puisqu'en 2016, l'encours de la dette était de 10 millions 67 000, enfin, je ne vais pas donner les plumes, hein, disons 10 millions d'euros. En 2017, 9 millions 7. En 2018, 8 millions 9, puis 7 millions 8. Et nous sommes aujourd'hui à 6 982 000, donc une baisse conséquente de la dette. L'encours par habitant était en 2016 de 1 969 euros. Il est aujourd'hui de 1 359 euros. Je crois que ça peut s'appeler clairement désendetter la ville avec quand même un certain acharnement. La capacité de désendettement en 2016 était de 7 années. Cette capacité est aujourd'hui de 2,5 années. Le stock de la dette étant de 6 982 340,27 euros au 31 décembre 2020 et l'épargne brute 2020 de 2 783 862,09, notre capacité de désendettement est donc de 2,5 ans. Les recettes réelles d'équipement s'élèvent pour 2020 à 156 956,79, auxquelles s'ajoutent 927 812,13 de restes à réaliser en décembre 2020. J'ai terminé cette première partie pour aborder, et si vous le permettez très rapidement, le contexte des finances publiques pour 2021 sur un contexte international, national et sanitaire que je ne développerai qu'à peine puisque tout le monde sait que ce contexte international, national et sanitaire à la suite de la crise sanitaire a été gravement affecté par un animal de cinq lettres qui s'appelle Covid et qui a meurtri le monde, la France, et nous essayons de nous en remettre dans les conditions que tout le monde connaît et que nous vivons tous les jours. Donc, je vais seulement vous rappeler
que nous avons en France des aides européennes qui visent à soutenir tous les programmes de chômage, enfin tout ce que l'on peut entendre à la télévision depuis des mois, et je dirais même depuis plus d'un an. La Banque centrale européenne a aussi été fortement impliquée. Au plan national, l'économie a été durement touchée, et au plan local également. Donc, je ne citerai pas tout ce qui a été, j'allais dire, excellemment rédigé par notre service financier, que je remercie au passage d'avoir fait un travail assez exceptionnel tout le long de l'année. Et je dirais seulement qu'au plan fiscal, ce qui peut intéresser tout le monde et le Villefranchois, c'est que la réforme de la taxe d'habitation sur les résidences principales se poursuit en 2021 avec l'entrée dans la réforme des 20% des contribuables les plus aisés qui profiteront d'un premier dégrèvement de 30% en 2021, 65% en 2022, jusqu'à l'exonération totale en 2023. En 2021 et 2022, la taxe d'habitation sur les résidences principales due au titre de ces deux années sera perçue par l'État. Les communes et les EPCI fiscalité propre conserveront le produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui sera remboursée en 2023, taxe d'habitation qui sera renommée en 2023, taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Il y a donc toute une refonte de la fiscalité et je considère donc que c'est une généralité très intéressante pour nous, mais que nous l'avons lu compte tenu de la longueur de ces démonstrations. Et j'en arrive maintenant à la troisième partie, proprement dite, qui est peut-être la plus qui est le plat de résistance de notre débat d'orientation budgétaire. Je vais résumer nos orientations budgétaires en vous indiquant deux choses. La première, que, évidemment, comme je viens de le dire, nous sommes encore et demeurons impactés par la crise du Covid et les conséquences économiques que nous sommes contraints de subir. Mais aussi, nous avons décidé de poursuivre la politique budgétaire volontariste qui s'articule sur 9 points. Le premier, c'est la maîtrise des dépenses de fonctionnement, puisque nous avons l'intention de baisser ces dépenses encore de 0,6%, alors que la loi de programmation des finances publiques encadrant les dépenses des collectivités, prévoit une évolution des dépenses de 1,2%. Pour les années 2018 à 2022, alors que nous avons, nous, eu une baisse de 7,6% pendant la période 2018 et que nous évaluons jusqu'à 2021. Le deuxième point, c'est la mise en œuvre des projets d'investissement importants. Vous allez voir que nous allons programmer d'investir à peu près 5 millions d'euros avec une poursuite de la restauration de la citadelle, la restructuration du gymnase des Glacis, la réalisation de la SMEL, la rénovation thermique des bâtiments publics et parcs locatifs, etc. Le troisième point sera le financement des projets d'investissement par l'autofinancement, 29% des recettes réelles de fonctionnement dédiées à l'investissement. Le quatrième point qui intéressera plus particulièrement les Villefranchois, la stabilité des taux d'imposition directe, des impositions locaux, ce qui avait été déjà annoncé par M. le maire précédemment. Le cinquième point est la maîtrise de la dette à un niveau raisonnable, malgré l'inscription au budget d'un emprunt d'environ 800 000 euros destiné au financement des travaux, emprunt que nous allons noter par précaution parce que nous sommes précautionneux, mais qu'il n'est pas certain que nous soyons à même d'utiliser. Sixième point, le soutien au tissu économique local, ce que nous avons fait, notamment par l'exonération d'ODP, et continuerons à faire. Septième point, les actions de préservation de l'environnement et du cadre de vie, surtout depuis la charte de l'arbre. Le soutien au milieu associatif, vous verrez que nos associations auront une hausse de subvention de plus de 12,5% par rapport à 2020. Et le dernier point est l'aide
au public fragile au travers des actions menées par le CCAS avec le soutien de la commune, notamment un projet d'épicerie sociale, mais nous avons encore d'autres projets d'accueil de proximité et le projet de la maison FFFF, c'est quoi déjà ? France Service. La mobilisation des subventions toujours, État, région, département. Alors, les prévisions budgétaires en section de fonctionnement, les recettes réelles de fonctionnement seraient de l'ordre de 10,7 millions d'euros. Les produits provenant des loyers qui sont estimés à 400 000 euros et les produits de la taxe sur l'électricité estimés à 214 000 euros ne devraient pas être impactés par la crise sanitaire. Par contre, les autres recettes seront impactées par le Covid, notamment une baisse de 516 000 euros environ. Un tableau a été confectionné qui est très intéressant sur les pertes de recettes estimées. Cette estimation est, je le répète, malheureusement importante puisqu'elle est de 516 000 euros et elle affecte, par exemple, les redevances d'ODP pour 64%, les redevances de stationnement pour 45%, ou même les autres produits d'activité des musées, 94%. Quant à la taxe sur les passagers, elle a été et elle sera malheureusement considérablement réduite, puisque nous en perdons 96%. S'agissant de la fiscalité, l'application du coefficient de revalorisation forfaitaire des bases fiscales fixées par l'État pour 2021 est de plus 0,2%. Et je maintiens donc que nous n'augmentons pas les impôts communaux, donc la part des impôts communaux, donc le maintien de ces impôts directs locaux de 2021 assurera un produit fiscal direct attendu de 7 500 000 euros. Les dotations et participations, la dotation globale de fonctionnement de l'État devrait être 272 304. Les dotations et participations, quant à elles, devraient s'élever à 678 000 euros. Il est évidemment intéressant de se pencher sur les dotations de l'État. Alors, je ne dirai pas la totalité de ce tableau très précis, mais en 2014, la dotation forfaitaire qui a été perçue par Villefranche et venant de l'État était de 1 045 000. Elle est aujourd'hui, elle a été en 2020 de 321 000 et nous projetons de recevoir malheureusement que 270 000 euros. Donc nous devenons de plus en plus pauvres de ce point de vue-là, si je puis dire. Il conviendra d'ajouter aux recettes réelles l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2020, soit 1 886 000 208,47. Les dépenses réelles de fonctionnement de l'ordre de 10,5 millions d'euros sont notamment l'ensemble des charges à caractère général pour 2 123 000 euros, les charges de personnel pour 6,16 millions d'euros, l'attribution de compensation annuelle 303 483 euros, la subvention au CCAS 940 000 euros, les subventions aux associations et autres pour 205 000 euros, elles sont en augmentation, les intérêts de la dette 205 000 euros en baisse de 34 280,70, les autres charges exceptionnelles pour 10 000 euros, une provision pour risque pour 50 000 euros. Pour la période 2018-2021, les dépenses réelles de fonctionnement ont baissé de 7,6% et en 2021, il est envisagé une baisse de 0,6% pour ces dépenses de fonctionnement. Pour ce qui concerne la section d'investissement, les recettes d'investissement, 5,17 millions d'euros. Les recettes sont réparties de la façon suivante. Recettes réelles s'élèveraient à 202 millions d'euros.
dont 333 000 de demandes de subventions d'investissement supplémentaires, 3 millions au titre d'opérations d'ordre. Afin de finaliser l'intégralité des emprunts, il sera nécessaire d'inscrire au budget 2021 un emprunt de 800 000 euros. Comme je vous l'ai dit, il est inscrit, mais il n'est pas certain d'être obligatoirement utilisé. Les dépenses d'investissement sont prévues pour 5,17 millions d'euros. Oui, j'ai oublié de vous dire que c'est quand même un emprunt qui est inscrit, mais aucun emprunt n'a été contracté par nos soins depuis 2016, donc ça fait 5 ans. Les dépenses d'équipement prévues s'élèvent à 3,5 millions d'euros ainsi répartis. Les frais d'études représentent 97 000 euros et concernent notamment les études géothermiques pour la SMEL, les études sur les bâtiments communaux pour l'adaptation au handicap, les autres immobilisations incorporelles, 50 000 euros, une subvention d'équipement façade, 10 000 euros. Les immobilisations corporelles représentent 291 900 euros, dont les mises aux normes des ateliers, les achats de matériel technique, 10 000 euros de mobilier pour la cantine, 40 000 euros pour un matériel informatique, des achats de mobilier et de chaises pour les manifestations, des achats de véhicules, des services techniques, 100 000 euros, puisqu'on a constaté qu'il y avait plusieurs véhicules qui avaient plus de 20 ans, et l'acquisition d'un bateau pour la sécurité des plages de 50 000 euros, puisque celui que nous avons ne remplit pas les conditions réglementaires. Immobilisation en cours, elle représente 3 281 900 euros et concerne la première tranche de la SMEL, création d'ancrage, 300 000 euros. Les travaux de la citadelle, 1 600 000 euros, et c'est la suite. Les travaux d'amélioration de chaufferie, la reprise du plancher du local du comité des fêtes. Les travaux d'éclairage de l'église pour 10 000 euros. Peinture de façade cour Volti à la mairie, 18 000 euros. Les travaux pour les normes handicapées, 70 000 euros. Entretien et renouvellement du domaine public arboré, 20 000 euros, suite à l'adoption que nous avons faite de la charte de l'arbre. L'annuité de la dette 2021 s'élève à 1 088 266,53 contre 1,12 million d'euros en 2020. L'ensemble des prêts sont à taux fixe. Le capital restant dû au 1er janvier 2021, s'élève à 6,98 millions d'euros. Je vous renvoie aux explications que j'ai déjà données. Alors, encore un instant pour récapituler la dette. Il y a un historique de cette dette où la dette par habitant, même si je l'ai déjà dit, je le redis, était en 2014 1 429 euros, en 2015 1 300. En 2016, nous avons intégré un monceau de dettes et de crédits de la SPLV et qui a gravement endommagé à l'époque notre situation financière. Donc, nous sommes passés à 1 999 000. Puis, nous n'avons cessé de descendre. En 2017, la dette par habitant est 1 822. Puis 1746, puis 1695, en 2020, 1525, et nous prévoyons pour 2021 encore une baisse, et la dette par habitant pourrait être de 1358,70. Les organismes prêteurs font également l'objet d'un tableau bien résumé. Je rappelle seulement que la Caisse régionale de crédit agricole, comme la Caisse de crédit mutuel, étaient des emprunts inhérents à la SPL que nous avons été contraints de reprendre. J'en ai terminé, monsieur le maire. Je crois. Bien, merci beaucoup, maître Chichmanian, pour ces explications. Le débat est ouvert. Madame Beuil, vous avez la parole. Monsieur le maire, merci. Madame l'adjointe, merci. Mes chers collègues, je voudrais revenir sur 3 petits points, notamment sur les baisses dont vous nous avez plus ou moins
largement détaillé tous les contenus concernant la réduction de la masse salariale. J'aurais peut-être voulu évoquer une petite précision, à savoir qu'il ne faudrait pas oublier que la compétence tourisme, je crois, a été transférée à la métropole et que donc les salaires des agents de l'Office du tourisme ont été transférés de la même façon, il me semble, Madame Chiche-Magnan. Ce n'est pas tout à fait comme ça, parce qu'ils n'ont pas tous été transférés, il en est resté à notre charge. Et quand je parle de la baisse, c'est quand même une baisse conséquente. Ce n'est pas simplement l'Office du tourisme. Oui, ça, il y avait. Alors, je crois que Monsieur le maire connaît mieux les chiffres que moi. Lorsque nous avons eu à l'origine, je ne sais pas. Excusez-moi, quelle est la question, Maître Chiche-Magnan ? La question, c'est. Nous avons diminué le nombre d'employés et monsieur le maire, je ne suis en charge que des finances, mais je ne suis pas en charge du nombre des employés, donc je sais que nous avons diminué de façon assez conséquente les employés par rapport au moment où nous sommes arrivés. Madame Beuil parle de la masse salariale. Oui. Donc en fait, la masse salariale est aujourd'hui à 6,16 millions d'euros, si ma mémoire est bonne. En 2014, nous avions 165 employés de mairie. En 2016, suite à la reprise des 11 employés de la SPL, nous sommes passés à 176 employés de mairie. Aujourd'hui, nous sommes à 145 employés de mairie. Il est vrai que donc nous avons diminué le nombre d'employés de 31, ce qui correspond à un peu plus de 15%. Mais il est vrai que les employés de la mairie de Villefranche sont un peu mieux payés qu'avant. Chacun. Et je pense que, à titre personnel, c'est une bonne chose. Voilà. Alors, je savais que monsieur le maire répondrait à cette question. Alors, deuxième point qui nous interpelle un petit peu, alors excusez-moi d'être, on va dire, vous contredire un petit peu, c'est au niveau de l'emprunt. Oui. En regardant le petit tableau, effectivement, si on se base sur la dette de 2014 et celle de la prévision de 2021, effectivement, comme vous l'avez annoncé, elle est largement en baisse. Ceci étant, nous, on va rester plus factuel et se baser tout simplement sur la dette telle qu'elle était en 2014. Et nous constatons en 2020 qu'elle n'a pas réellement régressé. Donc effectivement, vous nous annoncez une baisse à venir et ça nous contente énormément. Espérons que ce soit le cas et surtout que les chantiers initiés iront à terme parce que nous avons un petit peu l'impression que les résultats tardent à venir. Alors, d'abord, nous tenons toujours nos promesses. Et la deuxième, les résultats tardent parce que, d'abord, vous le savez, cette année, nous avons été paralysés par le Covid. Et ensuite, quand on entreprend, je ne donne qu'un seul exemple, quand on entreprend, par exemple, la SMEL ou la Citadelle, il nous faut d'abord faire des études avant de commencer à le faire. Et donc, vous avez vu que nous consacrons pas mal d'argent, d'ailleurs, à toutes les études pour réaliser ces travaux. Mais ne vous inquiétez pas, ils seront faits en temps et en heure. Très bien. Merci. Troisième point, enfin. Monsieur le maire souhaite donner une précision. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Je donne juste un complément de réponse. Votre remarque est excellente, Madame Beuil. En 2014, la dette communale était de 7 millions d'euros. En 2020, la dette communale est de 6,9 millions d'euros. Donc, on pourrait avoir l'impression que la dette n'a pas diminué. Pour autant, je donne deux précisions. En 2014, il n'y avait pas d'excédent. Zéro excédent. Il y avait même une épargne brute négative, ce qui est très très rare et même très très grave, puisque quand nous avons été élus en 2014, il y avait 40 000 euros sur le compte de la commune. La deuxième chose, c'est que il y avait une dette communale et il y avait également une dette de la société publique locale villefranchoise de 4 millions d'euros. Cette dette, nous l'avons récupérée au titre
titre de la commune en même temps que nous avons liquidé la SPL. C'est pour ça que la dette est montée à 10 millions d'euros en 2016. Alors comment qualifier une dette que doivent rembourser les Villefranchois, mais qui n'est pas sur les comptes de la commune? Cette dette était simplement sur les comptes de la SPL. Et aujourd'hui, la situation est celle-ci. La dette, toute la dette des Villefranchois, est de 6,9 millions d'euros. Et notre excédent de 2,7 millions d'euros permet de désendetter la commune en 2 ans et demi, ce qui est exceptionnel. Regardons autour de nous, il y a des communes très très vertueuses qui ont encore moins de dettes que nous. J'en connais juste à côté. Mais vous savez que on estime que jusqu'à 8 ans de capacité de désendettement, la situation d'une collectivité, quelle qu'elle soit, est saine. Merci de vos précisions. Et ben, si j'ose dire, c'est très bien. Donc vivement que tous les travaux puissent démarrer. Donc j'avais une troisième petite remarque à vous faire concernant les subventions. Sur votre orientation 2021, vous nous parlez de recommencer et redistribuer à toutes les associations villefranchoises, culturelles et associatives, ce qui est franchement très bien. Nous vous en remercions avec le débat que nous avons eu l'année dernière. C'est vraiment très très bien. Cependant, nous avons cru remarquer une petite subvention de 50 000 euros à titre, on va dire, d'usage pour un projet de l'Éden. Projet immobilier à titre privé. Donc ceci nous interroge un petit peu et nous interpelle, car comment justifier une subvention publique pour une opération immobilière à titre privé? Mais bon, nous sommes de bonne facture et nous attendons de voir le projet. Très bien. Je peux répondre à la question si vous le souhaitez, Maître Chichmanian. Non, allez-y, monsieur. Voilà, le projet Éden, en dessous des escaliers du stade. Voilà, maintenant, ça ne s'appelle plus Éden, ça s'appelle Émeraude. Mais bon, peu importe. Ce n'est pas un projet purement privé. Il va y avoir à l'Éden 22 logements sociaux. Ce qui est construit, c'est un projet mixte, public-privé. Je vous accorde qu'avec les pancartes affichées, des fois, on peut un peu s'y perdre. Mais vous verrez qu'il y a un bailleur social, dont j'ai oublié le nom, Sylvie, vous pouvez me le rappeler ? Villogia. Il y a aussi un investisseur privé. Et en fait, nous allons avoir à cet endroit-là 22 logements sociaux, pour une durée de 15 ans. Et on nous a demandé un certain investissement financier à hauteur de 50 000 euros pour favoriser, monsieur Betty, vous en serez heureux, les Villefranchois. Et nous ferons en sorte, grâce à cet apport, de réserver un certain nombre d'appartements pour les Villefranchois. Très bien, merci. Donc si c'est un démembrement de propriété et en faveur des Villefranchois, nous en serons tout à fait contents. Merci. Pardonnez-moi de reprendre la parole, monsieur le maire. Vous nous avez dit tout à l'heure que sur le projet d'Albert Ier, il y avait 22 logements, et là vous nous dites encore 22. Est-ce que c'est... Il n'y a pas confusion ou c'est un fétichisme du 22? Il est vrai que le prochain point, nous parlerons de police municipale et de surveillance de parking. Et on dit 22, voilà la police. Donc non, il n'y a pas de confusion, c'est bien 22 d'un côté, 22 de l'autre. Monsieur Betty, nous avons décidé que nous aurons tout le temps 22 logements. Bon, c'est parfait. C'est parfait. En effet. Merci. Il n'y a pas de confusion. 22 plus 22, ça fera 44. Et nous en aurons 10 aussi en vieille ville. Sur le projet Montolivo, qui est un projet qui a fait couler de l'encre ancienne, que nous allons récupérer également par une préemption. Donc il y aura bientôt à Villefranche 54 nouveaux logements locatifs sociaux. Et j'en suis très heureux, puisque un tel projet n'avait plus existé à Villefranche depuis le temps de M. Grosgojean en 2008. Il avait d'ailleurs été conclu alors que André Bézina était premier adjoint. Et il avait ensuite été réalisé dans les périodes 2008 à 2010. Donc on peut dire que ça fait plus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu de logements sociaux de façon importante à Villefranche. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, nous nous en réjouissons. Merci beaucoup.
Maître Chichemanian, il s'agit d'un débat. Y a-t-il un vote ? Il n'y a pas de vote. Ah, très bien. Donc, nous pouvons passer au point suivant. Merci à vous pour ce débat. Il s'agit du point numéro 12, le marché de prestation de services de surveillance et de gestion partielle des marchés communaux. Maître Chichemanian, vous avez de nouveau la parole. Merci, monsieur le maire. Un appel d'offres a été lancé pour des prestations de services concernant la surveillance et la gestion partielle des parcs de stationnement public de Villefranche-sur-Mer. L'estimation de l'accord cadre est de 268 000 euros hors taxes sur 4 ans. Cet accord cadre... Nous n'avions pas fini le débat d'orientation budgétaire, maître Chichemanian. Excusez-nous. Je pense que nous avons fait le DOB du budget principal, c'est ça ? Et voilà. Merci. Vous voulez nous dire un complément d'orientation budgétaire ? Voilà, un complément d'orientation budgétaire sur les prévisions du budget annexe des parkings. Tout comme le budget principal, la baisse des recettes due à la pandémie se poursuivra. En 2020, la baisse des recettes de fonctionnement s'est élevée à 164 000 euros et serait reconduite, malheureusement, en 2021. Donc, il y a des pertes de recettes estimées qui font l'objet d'un tableau que vous avez dû consulter et malheureusement qui excède 700 000 euros. Le budget prévisionnel 2021 devrait s'élever à, en section de fonctionnement, 1 327 000 euros et en section d'investissement, 945 924 euros. La section de fonctionnement intègre notamment l'ensemble des charges à caractère général et contrats de surveillance des parkings pour 350 000 euros, la dotation aux amortissements, le virement de section d'investissement de l'ordre de 528 000 euros, les charges de gestion courante et les charges exceptionnelles pour régularisation, 22 000 euros. Les recettes concernent les redevances des parkings pour la somme de 690 000 euros et l'excédent reporté de 625 015,26 euros suite à l'adoption du compte administratif. La section d'investissement regroupe les frais d'études pour 250 000 euros, les immobilisations corporelles, véhicules, matériel, outillage, etc. Les immobilisations en cours pour 375 042, que sont des travaux de voirie. L'excédent d'investissement reporté de 159 924 euros. Il est à noter que l'emprunt contracté en 2010 d'un montant de 1 140 000 euros sur une durée de 10 ans pour l'acquisition de VFA sur, parking de VFA sur le parking de la Barmassa a été soldé le 25 août 2020. Voulez-vous débattre de ce débat d'orientation budgétaire des parkings ? Non, je vais juste faire une petite remarque. D'abord, vous êtes pardonné, maître Chichemanian. Merci beaucoup. Pour cet oubli. Je veux juste dire que les recettes des parkings ont considérablement baissé, puisque nous sommes à moins de 700 000 euros, alors que nous étions à plus d'un million d'euros en 2019. Bon, voilà, c'est une des conséquences de la crise du Covid. Nous sommes heureux aussi que l'emprunt de 2010 pour le parking de la Marmassa soit terminé. Et finalement, ce budget annexe des parkings, il est très excédentaire chaque année. Et il va nous permettre un certain nombre de réalisations, en particulier, maître Chichemanian, très probablement, la réalisation d'un parking. Bien. Donc, je recommence... Le marché des prestations de services. Un appel d'offres a été lancé pour les prestations de services concernant la surveillance et la gestion partielle des parcs de stationnement public de Villefranche. Et l'estimation prévisionnelle de cet accord cadre est de 268 000 euros hors taxes sur 4 ans. Donc la procédure de mise en concurrence a été régulière, elle a été publiée. Cet accord cadre à bon de commande est conclu pour une durée initiale de 12 mois, reconductible 3 fois. Il se compose de deux lots techniques indissociables, un lot technique 1 sur la surveillance et la gestion à temps partiel des parkings et un lot 2 sur la surveillance
et gestion partielle des parkings dans des conditions qui ont été indiquées dans le projet de délibération. La date de limite des offres était fixée au 24 juin 2020 à 12 heures et à cette date, 8 réponses ont été enregistrées. La séance d'ouverture des plis a donc eu lieu le 8 septembre 2020. Les entreprises ayant fait acte de candidature et soumissionné sont Azure Sécurité, Impact Sécurité, Orbisud, Omega Sécurité, Arcane, PSI Sécurité, GLCE Sécurité. L'offre de Vaugeois électronique, c'est la huitième, a été éliminée et considérée comme une offre inappropriée. Je crois qu'il s'était trompé de case en remplissant les documents Internet, donc il n'avait absolument aucun objet, aucun rapport avec le marché concerné. Au cours de la séance, c'est donc moi qui ai constaté la présence des pièces exigées pour étayer les candidatures ainsi que les offres. Une analyse des éléments techniques et financiers de chaque offre a été demandée aux services municipaux. Les critères retenus pour le jugement des offres étaient pondérés de la manière suivante, 60% pour la valeur technique de l'offre et 40% pour le prix des prestations. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 16 février 2021, a pris connaissance des motifs exposés dans le rapport d'analyse des offres établi par le service communal, et la commission a jugé à l'unanimité économiquement la plus avantageuse au regard des exigences du cahier des charges, l'offre de la société Arcane Sécurité pour un montant estimatif hebdomadaire hors taxe de 3 182,94 euros. Il est donc proposé au Conseil d'entériner ce choix et d'autoriser M. le maire à signer le marché des prestations avec la société Arcane Sécurité. Je précise que c'est un tout petit peu moins cher que son prédécesseur. Oui, Monsieur Betty. Monsieur le maire, Madame l'adjointe, mes chers collègues, l'intervention que je fais là est une intervention pour expliquer notre vote. Cette intervention n'a pas trait directement à l'attribution du marché. La commission d'appel d'offres s'est réunie de manière tout à fait régulière, avec respect de la légalité, la sincérité. Les choses ont été faites telles qu'elles devaient l'être et sans doute le choix que vous avez fait en commission d'appel d'offres, Madame l'adjointe, mes chers collègues qui siégeaient dans la commission d'appel d'offres, sans doute ce choix est-il le bon. Pour autant, je me permets d'exprimer un désaccord de principe. Il y a environ un an, je regardais ma télévision au journal de 13h de TF1. Et je vois, j'ai la satisfaction de voir qu'il est question de notre commune au journal de TF1 de Jean-Pierre Pernaut, où une équipe de journalistes accompagne la police municipale dans une de ses tournées, où il est bien précisé qu'il s'agit du travail régulier de la police municipale. Et très vite, cette tournée s'oriente, et je cite à peu près mot pour mot, la journaliste vers les villas opulentes qui ont une vue splendide sur la rade del Cap Ferrat. Et l'on voit nos policiers municipaux très consciencieux qui font une tournée très appuyée, qui descendent de voitures, qui interrogent les jardiniers, qui s'alarment parce qu'un chien a aboyé, etc., etc. Bref, une tournée de police municipale qui s'apparente, pardonnez-moi, mais à des missions de gardiennage et de surveillance qui s'apparentent aux prestations que réalisent les sociétés de surveillance privées. Il y en a un certain nombre à Villefranche et à Saint-Jean. Seule différence et seul bémol à cette satisfaction qui était affichée par les journalistes et qui disaient voilà de quoi rassurer les résidents secondaires et les gens qui habitent dans des propriétés de rêve, mais qui, les pauvres, ne peuvent pas y être régulièrement et qui seraient en danger, ce que l'on peut concevoir. Le seul bémol que j'y apporte, c'est que la police municipale, ce sont des fonctionnaires qui sont payés par les impôts des Villefranchois. Or là, nous voyons un contrat qui est noué, je ne conteste pas
le marché et la qualité des prestations et le rapport qualité-prix et le choix de nos collègues lors de la commission des appels d'offres. Mais il s'agit, au fond, de missions de surveillance des parkings publics, ce qui me semble être le cœur de la mission de la police municipale. Certes, il s'agit des week-ends. Néanmoins, y a-t-il cohérence entre une police municipale qui, en semaine, effectue des missions de type gardiennage et surveillance aux frais des contribuables, puisque la police municipale, ce sont des fonctionnaires payés par les impôts des Villefranchois, et à l'inverse, le week-end, nous avons une société de gardiennage privée qui va surveiller les parkings publics de Villefranche-sur-Mer. Au fond, cela me paraît être un manque de cohérence, mais surtout, cela n'est pas très juste, parce que, au final, les contribuables villefranchois, les moyens comme les faibles, eh bien, apportent leur obol, d'une part, à une société de gardiennage qui remplit des missions d'un intérêt public, mais également pour payer des fonctionnaires de la police municipale qui vont faire des tournées de surveillance très appuyées sur les villas opulentes, je cite à nouveau la journaliste de TF1. Donc, cette décision des marchés, nous ne sommes pas contre l'aspect technique, le choix de la compagnie. En revanche, le principe nous paraît pas très cohérent et pas très juste pour les contribuables villefranchois. C'est pourquoi nous ne vous suivrons pas dans le vote de cette délibération. C'est archi. Merci, Monsieur Betty. Votre intervention pose donc la question des missions de la police municipale, en particulier des missions de la police municipale de Villefranche, missions qui vous sembleraient inappropriées. C'est bien ça? Je pense qu'il y a possibilité de repenser, un certain nombre de choses, à moins que ce reportage ait été une sorte de mise en scène tellement appuyée, des policiers municipaux qui descendent de voitures, qui interrogent le voisinage, qui vérifient que les portes soient bien fermées, qui évoquent les aboiements de chiens. On n'est pas là dans les tâches, le cœur de métier d'une police municipale. C'est pourquoi le fait de recourir à une société de gardiennage, fût-ce le week-end, mais quand même pour 3 182 € et quelques centimes pour les 10 week-ends, cela m'interpelle. Je pense qu'il faut que la police municipale, si vraiment ce reportage a été représentatif, elle se recentre sur son cœur de métier et que, eh bien, la surveillance appuyée et des villas opulentes soit le fait de sociétés de gardiennage qui, dès lors, seraient aux frais des privés qui sollicitent ce type de prestations. Donc, vous posez bien la question des missions de la police municipale à Villefranche-sur-Mer. Alors, nous allons commencer par Maître Chiche-Magnan, qui souhaite répondre. Nous continuerons par Jean-Louis Baucher, qui est quand même l'adjoint responsable de la sécurité des Villefranchois. Oui, juste une observation. Je n'ai pas vu votre reportage, mais pour moi, il n'a absolument rien à voir avec l'objet de ces contrats. Ces contrats, c'est entre autres quand les barrières tombent en panne la nuit, le samedi ou le dimanche, où il n'y a pas de salariés de la société, des salariés. Et donc, on est obligé de payer. Je ne le sais que parce que j'ai présidé de façon éphémère, heureusement, pendant 9 mois, la SPLV qui était en charge des parkings. Et nous avions un pacte sécurité à chaque fois qu'il y avait des pannes, surtout en juillet ou septembre, qui venaient remettre les barrières en place, arranger, dépanner. C'est son job, ça. Mais jamais un instant on ne fait surveiller les villas par un pacte sécurité ou par l'éventuel nouveau que nous allons ou pas retenir maintenant. Donc, votre observation, elle est très jolie, mais à mon avis, elle est hors sujet, parce que ce n'est pas ça, l'objet du marché. Maître Chiche-Magnan, M. Betty, au début de son intervention, a dit qu'il allait être hors sujet. Il a dit qu'il allait expliquer son vote. Oui, non, il a dit que
pour lui, on n'avait pas besoin d'une société pour aider à surveiller les parkings, parce que si la police municipale surveille un peu moins les villas opulentes, elle pourrait peut-être le faire. C'est ça qu'il a dit en gros. Vous n'avez pas vu le reportage, Maître Chichimanian ? Parce que moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu, et beaucoup de villes franches l'ont vu. C'est un reportage qui durait à peu près 2 minutes 15 et qui parlait de la sécurité des villes, qui a commencé sur Nice, le reportage, et qui ensuite s'est dirigé par la Basse-Corniche, d'ailleurs, vers Villefranche. Monsieur Bauchet, qu'est-ce que vous pensez de la mission de la police municipale à Villefranche ? Est-ce que surveiller les villas opulentes du haut de Villefranche fait partie des missions de la police municipale ? Merci, monsieur le maire. Donc, pour répondre, le reportage, c'est un reportage où, quand vous avez vu les policiers municipaux près des villas, ça s'appelle OTV. Les opérations tranquillité vacances. Tous les villefranchois, où qu'ils soient dans la vieille ville, qu'ils soient sur les hauteurs, dans des grandes villas, peuvent demander, quand ils partent en vacances, à ce qu'on passe, qu'il y ait des passages de la police municipale, de la police nationale et de la gendarmerie. C'est une opération qui existe au niveau national. Excusez-moi, ça s'appelle OTV. Excusez-moi. L'opération tranquillité vacances, est-ce que ça fait partie des missions de la police ? Absolument. Merci. C'est que pour les villas opulentes du haut de Villefranche ? Je répète, ça peut être dans la vieille ville. Non, pas que. Pour tous les villefranchois, où qu'ils soient dans les hauts quartiers, dans la vieille ville, peuvent, quand ils partent en vacances, passer au poste de police municipale ou au commissariat de police et demander à ce que la police nationale ou municipale, puisqu'on est en zone de police ici nationale, étatisée, passe un passage chez eux, devant chez eux. Donc c'est ce que nous faisons. Excusez-moi, Monsieur Bauchet, est-ce que vous voudrez bien fournir un document à Monsieur Betty concernant les missions de la police, s'il vous plaît ? Absolument. Merci beaucoup. Je me permets juste de faire une intervention, Monsieur le maire, Monsieur l'adjoint. Quand vous dites vacances, entendons, qu'est-ce qu'on entend ? Les gens qui partent 15 jours en vacances ou les logements vacants ? Monsieur le maire nous a indiqué que 60% des logements à Villefranche sont des résidences secondaires. Ça veut dire que ce sont des gens qui viennent passer leurs vacances à Villefranche, mais que le reste de l'année, ces logements sont vacants. Est-ce que c'est la surveillance et le gardiennage de ces villas ? Je ne fais que citer ce qui était dit dans le reportage. Est-ce que cela concerne toutes ces personnes qui ne sont pas présentes physiquement sur les territoires de la commune ? Monsieur Betty, excusez-moi, je vais juste être plus précis. Vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que notre police municipale exercerait des missions qui ne relèvent pas de sa compétence. Ce n'est pas envisageable. Vous comprenez ? Je comprends votre questionnement. J'ai vu le reportage et il est vrai que il pouvait prêter un petit peu à caution sur ce passage. Mais vous ne pouvez pas imaginer que la police municipale, la police nationale ou la gendarmerie, sous l'autorité de Jean-Louis Bauchet, en tant qu'adjoint à la sécurité, au stationnement, à la circulation, notre police municipale exercerait des missions qui ne sont pas les siennes. Ce n'est pas envisageable, vous êtes bien d'accord. Mais j'en prends acte. Mais une partie de ce reportage posait question, intriguait. Et la mise en perspective de cette délibération, m'a un tout petit peu heurté, ce dont je me suis permis de me faire l'écho. Vous avez tout à fait raison de faire ce genre de remarques, si elles vous semblent pertinentes. Mais je vous précise qu'il n'est pas envisageable que notre police municipale exerce quelque autre mission qui ne relèverait pas de sa compétence. Monsieur Cosentino. Allô ? Oui, je dirais que si chaque année, dans toutes les communes de France, peut-être pas dans toutes, mais dans les communes un peu touristiques, la police municipale, la police nationale et la gendarmerie font des patrouilles spécifiques, parce qu'il y a beaucoup de résidences qui sont fermées pour des vacances, et que la période, c'est une période... propice au cambriolage. D'autre part,
une société de télésurveillance, de sécurité, en fait, hein, peut parfaitement avoir un déclenchement dans un endroit et appeler la police municipale ou la police nationale. Mais le premier interlocuteur qui, s'il y a soupçon de cambriolage, va y aller. Ça fait partie des missions de la police municipale, police nationale, etc. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Et en ce qui concerne le marché, c'est aussi pour remplacer... on ne peut pas mettre des policiers municipaux pour gérer les parkings 24 heures sur 24. Ça coûterait des fortunes. Donc, du coup, il y a les interventions techniques et puis il y a aussi des remplacements. Hein, c'est ça. Donc, voilà. Donc, vous avez monté en épingle ce qui n'a pas lieu d'être. Monsieur Bauchet. Oui, je voudrais revenir sur deux choses. Tout d'abord, les OTV, comme je vous ai dit tout à l'heure, les opérations tranquillité vacances, c'est des missions de la police municipale. Mais la surveillance des biens et des personnes, c'est aussi une mission de la police municipale. Donc voilà, les opérations anti-cambriolage, ça en fait partie. C'est la surveillance de toutes les villas, les maisons, de partout. Donc la police municipale passe partout. C'est un peu normal qu'on la trouve aussi dans les hauts de Villefranche, là où les villas ne sont pas habitées. C'est aussi normal, c'est pour éviter les cambriolages. Pour revenir sur le parking, c'est pas la police municipale qui surveille les parkings la nuit. L'objet de cette délibération, c'est simplement la continuité du service des parkings. Les services du parking, aujourd'hui, les employés de la commune travaillent du lundi au vendredi de 6h du matin jusqu'à minuit. Et il y a un relais qui est pris, donc du lundi au vendredi, de minuit à 6h par cette société de sécurité. Et le samedi, nos employés travaillent de 6h du matin jusqu'à 18h. Et donc le relais est pris par la société de 18h au lundi 6h. C'est pour ça qu'on passe cette délibération, tout simplement. Et en même temps, vous avez bien remarqué qu'il y a deux cas à l'intérieur. Il y a pour ces horaires-là et pour au cas où on a des employés malades, tout simplement, on peut. C'est le deuxième volet du marché. C'est simplement ça. Hein, c'est les barrières quand il faut répondre, quand les gens appellent, quand ils ont des problèmes avec les cartes bancaires. C'est uniquement pour ça. Ce n'est pas de la surveillance policière, je veux dire. C'est la continuité du service public. C'est pour ça qu'on a passé cette libération. Est-ce qu'il y a des remarques complémentaires ? Oui, une remarque complémentaire, c'est que ce sont deux lots techniques, comme le nom l'indique, oui, techniques. Oui. S'il n'y a pas de remarques, nous passons au vote. Maître oui. Chimagnan, faites donc alors, voter. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci beaucoup. Nous passons au point suivant. Il s'agit du CIVOM et de l'adhésion à la compétence confortement et entretien des falaises. Monsieur Cosentino. Monsieur le maire, chers collègues, au terme de l'article 2 des statuts du CIVOM de Villefranche-sur-Mer, le syndicat a pour objet d'entreprendre et de mener à bonne fin, pour la totalité ou partie des communes, diverses compétences, dont les travaux de confortement et d'entretien des falaises réalisés sur des fonds dominants et sur des fonds receveurs situés sur les communes de Beaulieu-sur-Mer, Cap-d'Aille, Aise, La Turbie, actuellement. Afin de pallier tout risque d'éboulement rocheux pouvant toucher des secteurs urbanisés ou des zones identifiées au PPR, mouvement de terrain, il est apparu pertinent à la commune d'adhérer à la compétence entretien et confortement des falaises situées sur son territoire. Ainsi, ce type de travaux de sécurisation devrait être entrepris dans le cadre du projet d'extension et de réhabilitation de l'EHPAD de la Sofieta, notamment, pour lequel le permis de construire a été obtenu le 11 mars 2019. Par conséquent, et conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, je vous demande de bien vouloir approuver l'adhésion de la commune de Villefranche à la compétence du CIVOM de Villefranche-sur-Mer relative aux actions d'entretien et de confortement des falaises. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Betty ? Oui, vous avez la parole. Oui, Monsieur le maire, Monsieur l'adjoint, Monsieur le conseiller délégué, mes chers collègues, cette délibération d'adhésion à la compétence de confortement et entretien des falaises,
pour le CIVOM est lié à, évidemment, la question du projet d'extension de l'EHPAD. Pas uniquement, monsieur. Peut-être ultérieurement pour d'autres choses, mais en tous les cas, c'est pour cela que c'est fait maintenant, puisque cette compétence, le CIVOM l'avait, mais nous n'y avions pas adhéré, Villefranche n'y avait pas adhéré au cours des longues années précédentes, et là, on y adhère en lien avec ça. C'est d'ailleurs précisément noté dans la délibération. Donc, pour veiller à la réhabilitation et surtout à l'extension de l'EHPAD, il faut faire des travaux qui, dans le cadre du CIVOM ou dans le cadre de la commune, c'est pareil, au fond, ce seront les contribuables villefranchois qui paieront. Ces EHPAD, et oui, ces EHPAD sont de la compétence du département. Ce sont des maisons de retraite départementales. Elles sont chapeautées par l'ARS. Je ne reviendrai pas, monsieur le maire, sur les échanges et polémiques qui se sont étalés dans la presse sur ces questions. Ce n'est pas à moi à me positionner ni et à juger de ce qui a pu être dit par vous ou par la direction de l'ARS. Pour autant, le transfert de la compétence au CIVOM ne change rien pour les villefranchois, parce que ce confortement de falaise, il va être à leur charge, dans leurs impôts, hein, et il faut bien le dire, ça va être à leur charge, alors que c'est fait d'abord et avant tout pour ce projet d'EHPAD, et à ma connaissance, les villefranchois n'ont pas l'exclusivité des places, les villefranchois n'ont pas une priorité, que je sache, pour placer leur vieux papa ou leur vieille maman dans cette EHPAD qui, encore une fois, est départementale. Je trouve que, eh bien, ce n'est pas très favorable, au fond, pour les villefranchois, et c'est pourquoi nous ne vous suivrons pas sur cette délibération. Monsieur Cosentino, est-ce que vous voulez répondre ? Oui, le devoir et l'obligation de la commune, c'est de conforter l'endroit, la falaise, donc, pour pouvoir sécuriser l'EHPAD proprement dit. Donc là, on profite de l'expertise et de la compétence que le CIVOM a depuis des années pour le faire. Mais nous, on ne dit pas que ça sera gratuit pour les villefranchois, contrairement à d'autres. Bien sûr que c'est les villefranchois qui vont payer, puisque c'est un bien commun. C'est à nous de payer, de toute façon. Donc on n'a jamais dit ça ne vous coûtera rien. Donc en fait, que ce soit... D'autre part, il y a d'autres falaises, d'autres endroits mouvants qui peuvent avoir des problèmes à Villefranche, notamment au-dessus de la Gréante, notamment sur la moyenne corniche, notamment à partir de la moyenne corniche en descendant sur Gordon-Bennett, qui est encore Villefranche, et qui là aura un jour ou l'autre besoin d'être traité. Des travaux de confortement de falaise, ça coûte des millions d'euros, ça demande des études, ça demande de l'expertise, ça fonctionne très très bien avec le CIVOM, et voilà, donc nous on adhère à cette Monsieur compétence. Monsieur l'adjoint, j'entends bien, ce n'est pas l'expertise du CIVOM qui est contestée ou contestable, mais mettez-vous à notre place, le dernier écho journalistique que nous ayons eu sur Villefranche, c'est une situation de blocage concernant l'extension de la maison de retraite. Ça n'a rien à voir avec les travaux, monsieur. Ça n'a rien à voir avec les travaux. Alors, pourquoi voilà. Il y est fait référence ici, alors ? Mais non. Ça, c'est un confortement de falaise. José. Les travaux... Oui, José. Non, mais venons-en aux faits. Oui. Puisque petit à petit, monsieur Bétier en vient aux faits, et ça me va très bien. Nous avons une falaise qui surplombe l'EHPAD de la Sofieta. Nous souhaitons créer un nouveau bâtiment dans cet EHPAD de la Sofieta. Pour ce nouveau bâtiment, nous avons obtenu un permis de construire
que j'ai ici, permis de construire en date du mois de mars 2019, Sofieta. Des études géotechniques sont réalisées au niveau de la falaise de la Sofieta, de G1 à G5. Des travaux sont nécessaires pour sécuriser la falaise. Le point est voté au CIVOM. Le montant total des travaux est de 668 000 euros hors taxes, 50% de financement du fonds Barnier, 25% de financement du département, 10% de financement de la région et 15% d'autofinancement par le CIVOM, donc qui va incomber, vous avez raison, à la ville de Villefranche, soit 100 000 euros pour le total des travaux qui vont incomber aux Villefranchois. Cette rénovation de l'EHPAD est un projet absolument nécessaire. Nous avons deux EHPAD à Villefranche, 230 lits pour 230 résidents qui sont aujourd'hui logés dans des conditions inacceptables. Le projet de rénovation des deux EHPAD, c'est un projet sur lequel nous avons été élus. Il était dans les 10 points que nous avons discutés pendant la campagne électorale. Sur ce projet de la Sofieta, tout le monde nous suit. Le département, l'ARS, les financements sont obtenus. Le bâtiment va coûter 12 millions d'euros. Le département nous subventionne à hauteur de 30%, alors que son obligation légale, c'est 20%. Et l'ARS nous finance à hauteur de 10%. Les travaux à la Sofieta vont commencer en janvier 2022, c'est-à-dire dès que les travaux de la falaise seront terminés. Les travaux de la falaise vont se dérouler entre le mois de mai et le mois de novembre. L'escalinada. L'ARS m'a repris sur le dossier de l'escalinada. Je lis. À l'escalinada, pour l'instant, on n'a pas une ébauche, pas un permis de construire déposé, rien. Ce n'est pas vous, monsieur Poupard, qui avez signé l'article. J'en suis fort aise. C'est un de vos jeunes collègues. Vous lui transmettrez le permis de se construire de l'escalinada. Quand on fait une enquête journalistique, il faut la faire jusqu'au bout et pas se contenter de réponses d'une employée de l'ARS qui ne connaît rien au dossier pour une raison très simple, c'est que l'ARS ne vient jamais à aucune réunion du conseil d'administration des EHPAD de Villefranche. Je parle sous le contrôle de Madame Catherine Barajat et de Madame Gisèle Amédéo qui y siège avec moi. Donc, suite à cette reprise en main de l'ARS, nous avons convoqué un nouveau conseil d'administration des EHPAD de Villefranche-sur-Mer la semaine dernière. Et nous avons de nouveau décidé de faire les travaux en même temps à la Sofieta et à l'Escalinada. Et je vais même dire mieux, les travaux débuteront à l'Escalinada avant la Sofieta. Nous allons démarrer les travaux de l'Escalinada en octobre 2021. Pourquoi ? Parce que les financements sont obtenus, parce que le permis de construire est déposé et qu'il n'y a eu aucun recours. Et pour une autre raison, parce que, et c'est l'ARS qui le dit, nous n'avons aucune autorisation à donner. Donc, puisque l'ARS n'a aucune autorisation à donner, nous allons démarrer les travaux des deux bâtiments en même temps. Pour votre information, ou plutôt pour que votre information soit complète, il y a aujourd'hui 203 lits ouverts sur 230 dans les EHPAD. Pourquoi ? Parce que 27 chambres sont obsolètes et parce que le bâtiment de l'Escalinada a été qualifié d'inadapté et dangereux. Inadapté parce qu'il est fait de demi-étage, parce qu'il y a 4 douches pour 100 chambres, parce qu'on ne peut doucher les résidents qu'une fois par semaine, parce qu'il n'y a pas de climatisation et que l'été il fait 32 degrés dans les chambres. Donc, l'ARS a essayé, je suis désolé de le redire, de bloquer le projet. Alors, l'ARS dit, nous n'avons cessé de financer les pattes de Villefranche. Encore heureux.
c'est leur mission. Ils ne peuvent pas ne pas financer. Nous leur proposons aussi un plan de retour à l'équilibre financier qui est désormais accepté. Et donc, Monsieur Poupart, j'ai le plaisir, et mes chers collègues, et chères Villefranchoises, de vous annoncer que le conseil d'administration a de nouveau décidé de rénover les deux EHPAD en même temps. Et donc, en janvier 2024, nous aurons deux EHPAD totalement rénovés, avec 144 chambres neuves de 22 mètres carrés, avec salle de douche, qui compteront chacune pour un logement social. Ce qui nous permettra d'avoir des logements sociaux pour lesquels les voisins n'auront pas peur d'arriver de populations très très sociales. Est-ce que vous avez d'autres remarques à faire ? Maître Bézina. Pardonnez-moi, les jurys sont chiants. La délibération que José Cosentino a lu avec beaucoup de précision, elle évoque des travaux, c'est extrêmement important ça, d'entretien et de confortement des falaises. S'il ne m'écoute pas, ce n'est pas la peine, ça n'a aucun intérêt. Les travaux d'entretien et de confortement des falaises, c'est la compétence à laquelle nous devons adhérer, c'est totalement et juridiquement et dans les faits, indépendant des travaux de réhabilitation de la Sovieta et de l'Escalinata, mais surtout de la Sovieta. En l'espèce, je vous explique, depuis des années, le CIVOM, par les compétences qui lui ont été dévolues par les communes membres, s'occupe des problèmes d'action, d'entretien et de confortement des falaises sur la Turbie, sur Cap d'Aille, sur Aize, sur Beaulieu et toutes les communes. Ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas confondre, et ce n'est pas une leçon à personne, là on ne fait pas la politique politicienne là-dessus, il s'agit de savoir si oui ou non, on va donner au CIVOM, par l'intermédiaire de notre vote, la possibilité aujourd'hui d'entreprendre, avec le concours de la ville de Villefranche, aux actions d'entretien et de confortement des falaises qui sont des endroits d'une insécurité totale. Et moi, personnellement, et je vous le dis, je n'engage que moi, moi, le débat sur la Sovieta, il est extrêmement important, sur la remise en état, la réhabilitation, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que très rapidement, on puisse adhérer à cela pour que l'on puisse financer les actions d'entretien et de confortement des falaises qui doivent en permanence être réalisées parce que la colline, la roche, partout se casse la gueule dans notre coin, d'ici jusqu'à Menton. Monsieur. Donc, j'allais vous dire, ne retardez pas le fonctionnement. Non, mais il ne s'agit pas de retarder le fonctionnement, maître. Et, excusez-moi, j'entends votre plaidoirie. Néanmoins, non, mais il n'y a pas de plaidoirie. Non, mais écoutez-moi, monsieur le premier adjoint. Vous avez été premier adjoint de monsieur Grosgoja pendant 7 ans. Vous êtes premier adjoint de monsieur Trojani depuis 7 ans. Pendant 14 ans, vous avez été le bras droit du maire. Et tout à coup, vous nous dites, c'est fondamental, c'est nécessaire, il faut absolument le faire, ça n'a rien à voir avec la maison de retraite. Non, pardonnez-moi, la maison de retraite, elle est bien, je lis bien, elle est bien spécifiée dans la délibération, et par ailleurs, ça n'a jamais été fait précédemment sous votre administration. Donc la question pouvait et méritait d'être posée, pardonnez-moi. Bien sûr qu'elle peut être posée... Monsieur Betty, il n'y a aucune inquiétude sur le fait que vous posiez cette question. Moi, ce que je dis, c'est que ce projet des EHPAD, il est extrêmement important pour Villefranche et pour nos aînés. Je précise aussi que nous avons sollicité la métropole pour conforter la falaise, mais le confortement de la falaise n'est pas de sa compétence. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que dans ces projets d'EHPAD, nous avons aussi un institut de formation au métier du médico-social qui va permettre à des jeunes villefranchois, 16 par an, de se former pour pouvoir travailler en EHPAD ou dans un hôpital. Et je pense que l'ensemble de ces éléments sur ces deux dossiers mérite qu'on s'investisse. Monsieur Cosentino, vous voulez faire une remarque ? Je veux juste... au secours de monsieur le premier adjoint,
c'est qu'aujourd'hui, ça devient indispensable de conforter cet endroit-là parce qu'il y a l'agrandissement de l'EHPAD. Jusqu'à cette décision-là, il avait été créé un bassin de rétention au pied de cet endroit-là pour d'éventuelles chutes de pierre. Voilà, c'est juste pour rajouter, pour répondre à votre question, pourquoi rien n'a été fait. En fait, oui. Bon, mais de toute façon, et nous sommes bien d'accord, mieux vaut tard que jamais, et s'il faut le faire, pourquoi pas. Mais là, c'est une obligation de le faire. La question méritait d'être posée en lien, et elle a permis à Monsieur le maire de nous expliquer la perspective qu'il envisage sur la question des EHPAD, et un homme informé en vaut deux. Et juste une dernière petite chose, c'est vrai que j'étais lancé travaux, mais au niveau des villes franchoises, Monsieur le maire a justement dit que ça ne leur coûtera que 15%, parce que j'ai oublié de parler des subventions. Voilà, Monsieur Bettier. Bon, très bien. Nous allons passer au vote. Tout va bien. C'est bien d'entretenir les falaises. On a eu la chance de ne pas avoir le faire pendant longtemps. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Je voulais vous dire que 3 bateaux se sont échoués sur la plage ce week-end. Il y a eu un coup de mer, mais il n'y a pas eu une tempête. Et 3 bateaux se sont quand même échoués sur la plage. Un sur la première plage des marinières, un sur les rochers qui délimitent la deuxième plage et la troisième plage, et un à la Darse. Cette zone de mouillage fait décidément des vagues à Villefranche, Monsieur Poupart. Voilà, je pense que cette situation ne peut plus durer. Le mouillage illégal en rade doit s'arrêter. Il y a à peu près 60 bateaux au mouillage illégal en rade. Quand on laisse son bateau en permanence dans la rade, c'est illégal. C'est comme laisser sa voiture en permanence sur la route. Donc vous savez que nous avons un projet de zone de mouillage réglementée qui est presque lancé. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on a du mal à voir les choses qui se réalisent à Villefranche. Mon oreille gauche l'a entendu. Cette semelle, elle est indispensable à la préservation environnementale de la rade. À Rochambeau, une association a détruit l'herbier de Posidonie. Je le dis très solennellement. Maintenant, il est temps de dire les choses. Et gère illégalement le mouillage en rade. Ceci n'est plus acceptable. Nous y avons 30 bateaux environ. Il y a également une trentaine de bateaux du côté du palais de la Marine, où il y a une zone où il y a moins de Posidonie, une zone plus sableuse. Nous avons reçu l'arrêté interpréfectoral d'autorisation de la création de cette semelle. Une personne a fait un recours contre cette semelle et se veut maintenant le défenseur de l'environnement, tout en faisant du mouillage illégal et en détruisant l'herbier de Posidonie. Vous comprenez donc bien que nous allons donc accélérer les procédures, que nous allons demander à la DDTM et donc au préfet maritime de mettre en place des mises en demeure d'enlèvement des bateaux, que nous allons ensuite déclencher une procédure d'enlèvement des bateaux, que nous allons ensuite faire signer au préfet maritime des déchéances de propriété et que nous procéderons ensuite au démantèlement de tous ces bateaux. Donc je le dis aujourd'hui un peu solennellement, nous attendons encore d'avoir le dernier rapport de la DRASM qui a fait des recherches archéologiques.
Et à partir du moment où il sera prouvé qu'il n'y a pas de vestiges archéologiques, ce dont je sais que c'est le cas déjà, nous pourrons mettre en route cette machine qui nous amènera à faire en sorte que le mouillage illégal en rade et que le trafic de bateaux, je le dis, en rade, s'arrête. Ceci n'interdira pas le mouillage forain. C'est-à-dire que vous aurez toujours le droit, quand vous avez un bateau à la darse, de sortir votre bateau et d'aller mouiller en dehors des zones réglementées de mouillage, comme beaucoup de Niçois, de Villefranchois, de Saint-Jean-de-Maurienne le font chaque été du côté d'Espalmador. Parce que on fait brandir la menace que le maire veut interdire tout mouillage en rade de Villefranche, ce qui est entièrement faux. Donc voilà, sachez que l'État nous a déjà délégué la mission d'organiser et de gérer les ZMEL, à nous, la commune de Villefranche, c'est-à-dire aux Villefranchois. Et que l'État a également débloqué un budget de 150 000 euros pour nettoyer le fond des mers, puisque une fois qu'on aurait enlevé toutes les chaînes qui ont détruit les Posidonies, les machines à laver qui ont été jetées au fond pour accrocher les bateaux, nous mettrons en place des bouées écologiques qui permettront à l'herbier de Posidonie de reconquérir la zone, et nous mettrons en place du côté du palais de la marine, où il y a un fond plus sableux, des corps morts écologiques, et qu'à partir de là, tout sera fait dans les règles. Mais je pense que en 7 ans, nous avons enlevé déjà une trentaine de bateaux échoués, nous avons eu une vingtaine de bateaux qui ont coulé, et nous avons déjà enlevé une trentaine de bateaux épaves de la rade, et que donc il y a, comme je l'ai dit ce week-end, une certaine urgence écologique à régler définitivement ce problème. L'urgence écologique, on l'a aussi sur Terre, c'est pour ça que je vous conseille cette charte de l'arbre, qui est un bel ouvrage, pour lequel je remercie en particulier Jean-Pierre Faure et Ginette Attenberg, mais aussi Monica Logier et tous les services. Sylvie, vous transmettrez mes félicitations à l'ensemble des services pour cette belle réalisation, puisqu'à Villefranche, quand on coupe un arbre, on en plante 2. Je voulais aussi vous dire que ça fait aujourd'hui exactement 1 an que ce conseil municipal est installé, puisque nous avons été élus le 15 mars, et je me félicite, cher monsieur Betty, mesdames et messieurs,